Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Persona 5. Et donc, nous on est toujours dans la phase d'attente du dernier jour pour pouvoir voler le trésor de Saenichima. Donc, on va continuer Social Link, et donc n'oubliez pas. Et voilà, le seul Social Link que j'ai terminé pour le moment et le meilleur de tous, celui de ma waifu, celui de Futaba. Voilà, qui a quand même obtenu un Persona assez badass du coup suite à cela, et bien sûr, beaucoup de temps. Voilà, je rappelle. Necronomicon est devenu Prometheus. Donc, qui est un gigantesque smiley Illuminati. Et à mon avis, les flammes autour, c'est à côté du fait. Ça doit être en rapport au fait que Prometheus est celui qui a porté le feu à l'humanité d'ailleurs. Afterbreak a 20% HP. Oh là là. Vivement sur level 58 à Futaba. Futaba va devenir complètement broken. Donc voilà, donc je continue tranquillement les Social Link et... Alors je sais, normalement j'ai celui de Kawakami qui est dispo. Le Speech Giving Man qui est toujours là, il y a Oya et Chaff pour Fortune Teller comme d'hab. Mais bon, du coup, vu que... très honnêtement, je pense que je commence à me rapprocher de la fin du jeu. Je pense que... Oh, je dois être au moins aux 3/4. Ou aux 2/3, allez, on va dire aux 2/3 du jeu, facilement. Très facilement, je suis aux 2/3 du jeu. Parce qu'on est quand même en novembre. Alors sachant que, alors je sais pas si ce Persona fait comme dans Persona 3, parce que Persona 3 lui se termine au 1er janvier et Persona 4 lui faisait vraiment l'année complète. Et qu'est-ce que je fous là moi? Je suis en train de errer dans les rues tel un spectre. Hop là, on va faire ça pour augmenter, pour essayer d'avoir les stats au maximum. Pour avoir le courage et la connaissance à fond. Comme ça j'aurai les stats à fond pour quand je recommencerai le jeu. Mais voilà, étant donné que je pense que je suis largement plus proche de la fin que du début du jeu. Je vais me concentrer sur les social links que j'ai déjà de lancer. C'est-à-dire que je vais arrêter et je vais surtout m'occuper de ceux qui sont proches de la fin. Comme ça, au moins ceux-là, ils seront terminés pour la prochaine fois. Ouais, ma priorité d'ailleurs, c'est pour le moment social link de Sojiro. Et après, vis-à-vis des social links du groupe, je sais pas vraiment en fait. Hop, ça c'est le petit point de courage en plus. Toujours pas. Merci. Hop, les connaissances. Toujours pas. Mais voilà, ça va avancer lentement, monsieur. Merci. En tout cas, je me sens plus du tout comment je sais pour en récupérer, mis à part. Et bien, comme j'ai fait jusque-là avec le café. Je crois que le café, c'est le plus simple, mais c'est le. Allez, on continue de baisser les sondages, comme d'hab. À mon avis, on atteindra zéro au terme des jours. Yo! On dépose la carte de visite le 18, hein, c'est-à-dire qu'il nous reste moins d'une semaine à partir de maintenant. Je commence à être nerveuse. T'inquiète, ça va bien se passer. Si tu savais! C'est ça que tu dirais ça. Tu es tellement fort, Alexou. Je ferais mieux d'essayer d'être un peu plus comme toi. Cette mission déterminera notre avenir. Nous devons réussir quoi qu'il arrive. T'inquiète, Anne, on va y arriver. Enfin, vous allez y arriver, moi je vais me retrouver séquestré, tabassé, drogué, enfin... Pff, la routine habituelle, quoi. Est-ce que vous aimez entendre votre propre voix? Est-ce que vous avez déjà entendu de l'enregistrement de votre propre voix? N'avez-vous pas été surpris? Ah bah écoute, moi quand je fais le montage, oui, bien entendu que j'entends ma propre voix et que ça me surprend. C'est ça, c'est parce que normalement, ce que vous entendez votre voix, c'est entendu au travers de vos os. Parce qu'en fait... Notre propre voix, quand on l'entend, elle résonne, en fait, dans tout notre corps. On a une sorte de résonance personnelle. Et, parce que ça vient de notre gorge, tout ça, donc ça se, et ça se part de notre bouche, donc du coup, ça se... Ça, voilà, il y a une résonance, ça résonne. Et donc, la voix que vous entendez dans un instrument, ça peut vous perturber. Parce que ouais, vous avez du mal à croire que c'est votre propre voix. Enfin, même si c'est votre propre voix. Maintenant, avec Yarai, oui, comme d'hab. Est-ce que entendre ta propre voix au travers du téléphone, t'as déjà dû l'air étrange? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'entendre la voix de quelqu'un au téléphone a l'air d'être différent de sa véritable voix? C'est plus long que d'habitude. Attendez, juste vers la phrase parce que je sais que le téléphone, il y a un truc particulier. C'est qu'il y a certaines lettres ou certaines sonorités. Elles sont traitées, voilà. Moi c'est ça, pour moi elles sont énormément traitées. Parce que je sais que... Alors je sais plus, enfin...
Je connais le fait, mais j'ai plus le détail. C'est-à-dire que je ne sais plus exactement quelles sonorités ne sont impossibles à émettre par le téléphone. Le téléphone ne peut pas émettre, enfin, ne peut pas enregistrer certaines sonorités. Et donc, du coup, quand nous on l'entend au téléphone, c'est parce que l'écouteur, enfin, le micro, enfin, le haut-parleur du téléphone a retranscrit une sonorité similaire. Donc, c'est-à-dire qu'on comprend, du coup, nous on comprend le sens, mais on sent qu'il y a quelque chose de différent. Donc, moi je dirais que c'est ça. Et voilà! Je suis impressionné. Il est vrai que c'était pratiquement même pas leur voix, même plus leur voix. Afin de transmettre les données, les téléphones cellulaires utilisent une certaine méthode d'encodage pour une certaine manière d'encoder votre voix en information digitale. Et ensuite, le téléphone doit utiliser ces données afin de réassembler la voix et ne peut pas faire mieux. Ah oui, d'accord. Pour moi, c'était dans le sens qu'il y avait même certaines sonorités qui n'étaient même pas entendues par le téléphone. Et donc, du coup, le téléphone, il fait quelque chose avec une sonorité similaire. Donc, du coup, pour nous, on arrive à comprendre parce que ça reste dans le sens de la phrase et tout ça. Donc, ça nous semble naturel. Mais c'est vrai que, du coup, ça donne un côté un peu artificiel, en fait, à certaines phrases. Hop. Tu dois être vraiment malin pour savoir quelque chose comme ça. Non, je suis juste allé en cours. Merci. Alors, est-ce que vous pensez que je serais capable... Est-ce que tu serais capable de m'entendre un ordinateur parler? Voilà, tant que le ton et l'intonation correspondent, le personne qui écoute, enfin celui qui, le cerveau de la personne qui écoute, fait les ennemis over différents. Voilà, en gros, il va s'arranger en fait. Voilà, le principal domaine de communication, c'est l'interprétation. Et ouais, ma voix ressemble comme à des miaulements pour les personnes qui ne me connaissent pas. Voilà, bon, en gros, l'interprétation, c'est maintenant. Voilà, c'est un peu, bah ça allait dans le sens de ce que je racontais. En fait. Il nous reste 6 jours. Du coup, qui m'a envoyé un message? Alors, c'est Ryuji qui m'envoie un message. Je vais voir, il y a quelqu'un d'autre dans la journée. Du tabac, ça c'est juste pour le plaisir de passer à jouer avec du tabac. On peut level up avec Haru, augmenter avec les autres. Vous savez quoi, j'ai envie de dire fuck à l'optimisation. Je doute que cela m'avance à quoi que ce soit. Mais je m'en fous, je veux passer la journée avec le tabac. Bon, on doit encore attendre quelques jours maintenant. Alors, beau gosse, tu veux faire quelque chose de... Tu veux qu'on s'amuse? J'ai un lien spécial avec le tabac. C'est bien de prendre une pause de temps en temps. Est-ce que tu veux te balader avec le tabac? Carrément. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, regarde, allons dans ma chambre. Allons nous balader dans le coin. Allez, on va se balader. On va un endroit amusant. Tu veux dire à l'extérieur ou est-ce que tu veux m'emmener? Allez, en plus, ça fait partie de ça. Même si elle a fait beaucoup de travail jusque-là, ça lui fera pas de mal justement de continuer à aller vers l'extérieur. Puis la dernière fois, elle est allée à Kiabara sans moi. Alors, du coup, bah attends, bah y aller, oui. Non, du coup, donc on peut l'emmener à Kiabara. Ça, tout ça. Attends, c'est quoi ça? Skateboard, la rue. Non, vas-y, on va aller à Kiabara. Oui! Il y a un moment qu'on n'y est pas allé tous les deux. Il y a un moment qu'on n'y est pas allé ensemble. D'accord. Il y a que Futaba est de bonne humeur. Je pense qu'il y a des choses en particulier que vous voulez trouver là-bas. J'ai rien spécial avec Futaba. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Bon, je me doutais bien que ça allait... Parce qu'en gros, c'est comme ça, dès que vous avez fini ce sync avec une personne, avec une waifu, vous pouvez continuer à passer la journée avec elle. Ça fait des petites journées comme ça, bah en gros, juste vous passez, ça vous dit, vous passez le temps avec, et voilà. Alors, il y a un level up avec Iwai. Attends, juste essayer de revoir ce que j'ai oublié, ce qui me permet d'augmenter le courage. Parce qu'autant le cours...
Bah, l'intelligence, ça peut se monter en cours, donc ça c'est bon, y a pas de souci, mais bon. Je peux tenter le Big Bang Burger. Je peux encore essayer de. Même si j'ai terminé l'épreuve, je peux essayer de faire un tour au Big Bang Burger. Ouais, parce qu'au point où j'en suis, en fait, les social links, que je n'ai pas beaucoup avancé, ça ne sert pas à grand chose de les décontinuer en fait. C'est en gros là, les social links que je dois vraiment prioriser. Confidente. Alors, il y a Igor, il y a Morgana. Alors, il faudrait que je me priorise Makoto, Sojiro. Et Mishima. Ah ouais, tiens, attends. Il n'y a pas Mishima, tiens, parce que c'est vrai que je l'avais raté. Non, il est à Akihabara, Mishima en général. Attends, je vois juste pour Mishima parce que je sais que. Attendez. C'est vrai que, bon, d'ordinaire, j'ai tendance à éviter de voir des trucs comme ça, des petits guides, des trucs comme ça pour les social links. Mais Mishima, je sais qu'il est très particulier, je vous avoue que ça me ferait chier de ne pas pouvoir faire le rank max en fait. Ah, attendez, je veux juste voir comment débloquer le rang 10. Enfin, s'il y a quelque chose de particulier pour. Je veux voir s'il faut faire quelque chose de particulier en fait. Je veux voir s'il y a quelque chose de particulier à faire en fait. Si par exemple, il faut que je termine des trucs dans le Mementos ou des trucs comme ça en fait. Alors. J'essaie de voir. Hein. Ah, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Pour Mishima, faut essayer d'avancer dans le Mementos pour débloquer un peu son social link à Mishima. Ok, bon, il faudra que je fasse ça, donc. Priorité Sojiro, Makoto, Mishima. Vu que je suis rank 9 pour ces trois-là, c'est mes social links prioritaires. Comme ça, au moins, ils seront terminés pour ma prochaine partie. Mmh. Du coup, j'ai pas Sojiro qui est dispo aujourd'hui. Bah, écoute, on va manger au Big Mac Burger. Ah, quoi que t'arrives pas. Ouais, non, franchement. Ces social links-là, aussi puissants peuvent-ils être? Je sais que j'atteindrai jamais le rank 9 avant fin du jeu. En tout cas, je mets. Peut-être, hein, mais alors dans ce cas-là, je mettrai. À pouvoir, peut-être. Hein. 120 HP à tout le monde, hein, c'est ça. Avec le challenge. Voilà. Allez, vas-y. Bonne chance. Alors, fais voir un peu le monstre. Putain, le monstre. Le Cosmic Tower Burger. Sa grandeur m'impressionnera, peu importe si je le vois plusieurs fois. Let's rock, baby! Putain, déjà, comment tu fais pour l'attraper sans que tout se vautre? Et voilà. Je n'aurais pas espéré moins d'un capitaine. Je vous ai déjà expliqué qu'il n'y avait plus de. Oh, il me donne des boys Big Banger gratos du coup, vu qu'il n'y a pas d'autres récompenses. Nice. Mmh.
Tu veux te finir un burger géant et te récompense en t'en donnant encore plus. Oh, et puis ça donne 3 pour le courage. Ah bah ouais. Si tu montais cette stat, ah oui, bah oui, bah oui, bah oui, la vache. Ah bah oui, moi qui veux monter le courage, vas-y, hein. Pas comme ça en fait. Ah, qu'est-ce que ça peut être à cette heure-là? Ça rien. Ah, tu voudrais qu'on aille voir un film demain? Vaudrait. Je décéderai plus tard. Oh non non, ce que j'ai dit, j'ai des socialing prioritaires. Et Haru, étant donné que je suis qu'au rank 2, elle est très loin d'être prioritaire pour moi. N'en déplaise aux Haru fans, hein, c'est pas contre vous les gars. C'est juste que moi là j'ai mes priorités pour le moment. Oui. Il ne reste plus qu'une semaine. Ouais, s'il nous reste tout ça quand on pourra comme ça pour avoir le trésor. En plus de ça, c'est le temps qui nous reste à rester voleur fantôme. Ouais. Maintenant que t'en passes, c'est vrai que ça fait bizarre. Je pense qu'on ferait mieux d'éviter de penser à ça avant que ça n'arrive vraiment. Tu te souviens, Alexou? Faisons juste de notre mieux, nous prenons pas la tête avec ça. C'est pas vraiment une réponse à ma question, mais c'est une bonne motivation. Oui, oui, t'inquiète. Enfin voilà, j'essaie de foutre à bas. Mais c'est juste qu'il faut pas se prendre la tête avec ça. N'y pensons pas du tout. Faisons juste de notre mieux. Avant de penser à ce qui se passera après qu'on ait réussi notre mission, déjà commençons par réussir notre mission. Ce sera un bon début. Ouais, tout ce qu'on a à faire, c'est. Non, ouais, par la sœur de Makoto. Merci de nous. Kemi Futaba, il y a Yusuke, Makoto. Bon, bah, comme je l'ai dit, hein, Makoto est ma priorité pour le moment. Ah, attendez, il y a Yusuke, il y a un truc que je dois lui demander. Voir si je peux, parce que je me souviens que j'avais une carte à lui faire copier. Je me demande si c'est pas la carte de Swift Strike d'ailleurs, je m'en souviens plus, ça fait longtemps. Alors, j'aimerais que tu cliques une carte. Passif. Ah non, c'est Grocery! C'est ça, attends, j'ai envie de voir ce qu'il y a d'autre. Physical. Get by. Magic. Mazionga. Hop là, comme ça je retournerai voir Yusuke demain pour avoir Gloss Free, comme ça je la prendrai à Arsène. Et comme ça je peux avoir toute l'expérience en fait sur Arsène. Donc là Arsène est monté de level à mort. Et ensuite je ferai charge parce que la charge c'est le focus. Et comme ça j'aurai la carte de côté pour. J'en aurai une en plus en fait. Hop. Je pense pas qu'on est avec Makoto, on va se renforcer maintenant, mais on va se balader avec. Un ou quelque part d'amusant. Bon, par contre, un endroit amusant, on peut aller Makoto. Chinatown. Je pense pas que c'est un ventre sur pattes comme. Non, tu vois, on va à la Chinatown. Allez hop. Alors, bonne idée, j'ai toujours été curieuse d'y aller par moi-même. Allons-y. Est-ce que c'est bien là qu'on doit aller? Est-ce que c'est bien que tu dois aller? J'ai l'impression qu'on s'est perdu. Ah, attends, on a passé un portail bleu, donc je suppose qu'on est censé être à Chinatown, n'est-ce pas? Ah, quelque chose que je voulais essayer ici. Qu'est-ce que c'était déjà? Les pork bun, ah ouais, donc ça parle de bouffe. Non, qu'est-ce que c'est? Ah, désolé, ça. Ça m'est sorti de la tête. Alors, Swirmp, S-H-R-I-M-P.
Ouais. C'est de la crevette, ok. Il y avait de la crevette. Cabbage, c'est bien de la salade, hein, je rigole. Je suis pas fou, c'est bien salade. Hein. D'accord. Du chou, ok, chou. J'étais dans le thème. J'étais pas loin. Et c'est enveloppé dans de la feuille de riz. C'est pour le printemps, ça. Ça ressemble à du spring roll, ouais. De la salade avec des crevettes entourées de feuilles de riz. Ça ressemble à des rouleaux de printemps. Ah oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais j'avais oublié le nom. Alors, je sais qu'on peut en trouver dans Tokyo, mais j'aurais espéré qu'on en trouve des. Ouais, des faits. Des authentiques. Des authentiques ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu soupires. C'était pas chinois. C'est de quelle origine le rouleau de printemps? Attendez. Allez, tiens, juste pour voir. Juste pour connaître l'origine du bordel. Je suis en train de me demander. Non, excusez-moi, mais c'est juste pour ma culture personnelle. C'est de la culture inutile, hein, mais bon. Alors, également rouleau de printemps. C'est vietnamien, ouais, c'est ça. C'est pas chinois, c'est vietnamien, le rouleau de printemps. Voilà, c'est ça. C'est pas chinois, en fait. Ah, c'est vietnamien. Pourquoi est-ce que j'ai pensé que c'était chinois? Ouais, ça va. C'est... Putain. Bon, ça va, comme quoi, y a pas que nous qui confondons les pays asiatiques, hein. Même Makoto, qui est japonaise, elle confond des plats vietnamiens et chinois. C'est bon. Ça va, c'est pas juste les Européens qui sont cons, en fait. C'est juste que tout le monde se plante à chaque fois. C'est général, c'est une règle universelle. Dès que tu cherches un truc dans un pays asiatique, tu vas forcément confondre avec un autre pays asiatique. La Chine et le Vietnam sont côte à côte, alors peut-être que c'est... Peut-être qu'on en trouve pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que par contre, c'est vrai que géographiquement, vu que la Chine et le Vietnam sont très proches l'un de l'autre... Oui, c'est vrai que par contre, la confusion est peut-être un peu plus facile à faire. Peut-être qu'on en trouvera là-bas. Pourquoi est-ce qu'on commencerait pas à chercher? Ça sera amusant. Ouais, Red dans les rues. Et si jamais on se perd, bah au moins on sera définitivement perdu. Là, commençons par la rue qui se trouve là. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. C'est tellement mignon que je peux pas m'empêcher de l'acheter. Je make a chat. Je sais pas tout ce que c'est. Je crois que mon lien avec Makoto va devenir plus fort bientôt. Ok, donc la prochaine fois avec Makoto, ce sera un level up et ce sera la fin du social link. Ce sera la fin du social link de Makoto, c'est cool. Alors ça me rappelle. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le téléachat aujourd'hui! C'est vrai! T'as toujours pas le sous-signe de Sojiro? Faut peut-être que j'avance un peu plus dans l'histoire pour Sojiro. Vraiment, elle a toute fin. Alors. 20 Mystery Stew, mais ça rend des SP! Je m'en fous! Il y a marqué SP à côté, donc ça va forcément rendre des SP, je veux! Tous les systèmes qui rendent des SP sont sacrés. Alors, un autre acheteur nous vient de nous appeler, merci beaucoup. Hop là. Hop, Shady Commodities, juste pour y jeter. Tant qu'on y est, hein. Yo Tanaka, comment ça va? Alors, modèle. 20% de chance de réfléchir des attaques physiques, c'est pas mal ça. Ouais, bon. Ok. Ah non, pardon. Oups, hop là. Ouais, peut-être que ce signe de ce Jiro pour avoir le dernier level, faut être proche, avancer un petit peu plus, peut-être. Ok, attendez, je vais voir ce que quest. J'ai d'autres trucs à faire dans ce... Ah ouais. Oh.
Ah ouais, non, me dis pas qu'il faut que je fasse ces trucs là pour avancer avec Nijima. Je peux même pas faire tout. Non, me dis pas que en fait juste parce qu'il me manque ces trois là, je peux pas faire ce signe de Nijima quand même. Oh, si proche de la fin du jeu, putain de ma gueule. Bon alors, work part-time à The Central Street Convenience Store, ok. Central Store, c'est sûr. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler ici. Ah, c'est que le matin que je peux bosser, c'est vrai que c'est pas le soir. Ah, il faut faire foutre, j'ai monté mon courage. Et au pire, je ferai ça pendant mon nuggets. Bon, ça va être la même qu'à chaque fois, hein. Alors, hop, 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 hop. Faire un mode accéléré. Ah voilà. Voilà. Vous savez qu'il y avait un mode accéléré. Allez, tu on va lire ça. Ah, d'accord, c'est un lieu que je connais déjà. Ah, ok. Bon, on va lire Flowerpedia. Ah, peut-être que ça me permettra d'avoir du détail en fait. Ah voilà, c'est comme ça en fait. Fallait lire, faut lire ce livre pour avoir plus de détails lorsque tu veux bosser là-bas, d'accord. Ok. Alors, Haru level up, Yusuke non, Takemi max. Bon, on va déjà aller voir Yusuke, Underground Walkway, afin de récupérer notre carte de gloire si je puis. Ah, c'était là. J'ai fini de dupliquer la carte que tu voulais, là voilà. Alors. Ouais, allons-y. Parce que alors, ça, la compétence charge. C'est monstrueux, vous imaginez même pas à quel point c'est monstrueux. Le focus, en fait, c'est je prends un tour pour me focus et ma prochaine attaque physique infligera 2,5% des dégâts. En gros, c'est plus du double de l'attaque en fait. Donc, c'est hyper rentable en fait de bouffer un tour pour se focus et ensuite attaquer derrière. Voilà, donc ça c'est fait. Ok, il y a Haru à level up. Ah merde! Rooftop. Attends, non, parce qu'au-delà du saucing de Haru, il y a aussi les tomates. Oh bah putain! Yo Haru! Putain, ça a poussé vite! T'es sûr qu'elles sont 100% naturelles, tes tomates? Je vais monter les légumes. Ça me rend heureuse. Alors, celle-là, on finit de pousser, on peut y récolter maintenant. Oh bah putain! Oh, ça a poussé vite, tes tomates. Hein. Elles ont très bien poussé. Nice.
Alors, j'ai confiance en celle-là. Alors, prends-en soin et respecte-la. Okay. Putain, t'as de quoi? Juste une? Ah putain. Bon, après, c'est que c'est 100 SP pour tout le monde quand même. Hein. Et... Le 11-20, oh merde, pile après la deadline. Bon, tant pis. Bah écoute, au moins comme ça, mes tomates elles seront prêtes pour quand je serai en train de me faire torturer, c'est cool. Et même si. Level up avec Haru et essayer d'avancer au max avec Yusuke. Je vais essayer d'avancer au max avec Yusuke. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer quand même d'avancer avec Yusuke. Nous amuser quelque part. Alors, ah, Ikebukuro, ça pourrait y faire plaisir, tiens. Au planétarium, c'est un endroit pour faire une nouvelle découverte. Ah, ouais, non, ça, par contre, j'avoue que ça, Yusuke, ça pourrait y faire. Tu sais, ça m'importe peu d'attendre avant que le spectacle commence. C'est le meilleur moment pour c'est le moment parfait pour te préparer avant d'être complètement immergé dans ton imagination. Et c'est maintenant que ça commence. Soif S. Attends. Je vais écrire. Quoi, soif? Ah, une bande d'une largeur, d'accord. Bande d'étoiles vibrantes suspendues dans le vide de froid de ténèbres. La pure beauté dirigée, décidée par les lois de l'espace. Je vois. J'étais véritablement aveugle. Ouah, du calme, gros. Ah, ça fait bien de voir que tu vas mieux. Quel problème? Non, ça fait bien de voir. Je comprends, là, je comprends. Toi, justement, Yusuke. Yusuke, c'est un gars qui a une vision complètement perchée. Enfin, il a une vision complètement tournée vers la beauté et tout ça du monde. Donc s'il est là, en fait, là, c'est genre juste en train de m'inspirer, en fait. Et en tant qu'artiste, ça, c'est en train de... Ça y touche sa petite fibre artistique. Ouais, j'ai vraiment rêvé de grandes inspirations. L'espace, c'est là où tout commence, et tout t'es fait afin d'être proche de d'infinies possibilités. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais tu me donnes une incroyable stimulation, Alex. Ouais, c'est... Brosuke? C'est comme si tu avais étendu les frontières de ma perception. Merci pour cela. J'aimerais te demander de continuer à m'introduire à de nouvelles expériences. Quoi, cette... Putain, la vache, le niveau de bromance. Le niveau de bromance, putain. Quoi qu'il en soit, le couple juste là est en train de nous jeter un regard glacial. Est-ce que c'est de ma faute ou peut-être tous les deux? Non, ils peuvent juste... Mais non, t'inquiète pas, c'est juste qu'ils ne peuvent pas endurer la puissance de la véritable bromance. Avant, nous devons nous remémorer ce jour en tant que MySpace Memorial Day. Merci. Quelle journée incroyable c'était. Ah, d'accord. Sans que mon lien avec Yusuke va être plus fort bientôt. Yes. What the fuck. Putain, le Brosuke, il est... Tu ne t'ennuies pas? J'ai un peu de temps aujourd'hui pour te montrer les ficelles. Et il y a une autre boîte qui est venue pour toi. Alors, Mystery Stew. Oh, ça, c'est une de Sojiro. Oh, c'est parfait ça. On va faire les Mystery Stew, juste envie de voir ce que c'est en fait. Combien ça rend? Rend 30% de tout DSP de tout un allié, mais réduit toutes ses stats. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, c'est quand même 30%. Et si jamais t'as... Ouais, ça peut être pas mal. Alors, est-ce que t'as quelque chose de prévu pour ce soir ou est-ce que tu peux m'aider? Je sais pas. Je sens que je vais être plus fort de Sojiro grâce au persona de l'arcana du Hierophant Orobas. Je vois que mon Sojiro va devenir plus fort. Carrément, oui, c'est la fin de son social link. Alors, on va aller à l'église avec Futaba. Je suis désolé, mais tu viens avec nous. Pourquoi? Masse. Hein? Ah, pour la messe, ça doit être ça, c'est pour la messe. Peut-être.
Je suis pas intéressé, non, juste pourquoi. Juste on m'a envie de demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis obligé de venir? Et pourquoi? On va aller sur la tombe de Wakaba. Ah d'accord, ok. Putain, n'empêche la vache. Ah ouais, non mais vous savez que là, moi, je le vois vraiment comme une preuve de confiance absolue de ce Jiro, en fait. Je veux dire, il nous fait assez confiance, il nous considère assez comme, ouais, comme une personne dont il doit vraiment prendre soin, pour nous amener sur la tombe de la mère de sa fille, quoi. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu vas pas emmener tes potes sur la tombe de tes proches. Hein. Ouais. Tu vas pas amener n'importe qui sur la tombe de tes proches. Donc c'est peut-être un peu bizarre, mais je pense que c'est une manière à lui de vraiment nous considérer comme intégrer à sa famille. Hein. Et t'imagines même pas à quel point ce Jiro. Enfin t'inquiète pas, je laisserai Futaba t'en parler. Ou on en parlera ensemble. Quoi qu'il arrive, je sais que je mourrai dans les minutes qui viennent. Bon, on s'en va maintenant. Se prenne dans 3 minutes. Oula, ah ouais, d'accord. Ah oui, vous étiez vraiment sur le point de partir. Wakaba no meinichi wa maitoshi yatteta ga. Ai ni kuru no wa sashiburi da na. Je pensais toujours à Wakaba lors de l'anniversaire de sa... Enfin ouais, le jour de sa... Ouais, pour l'anniversaire de sa mort. C'est la phrase un peu bizarre, mais c'est pour ça. Mais ça faisait un moment que je n'étais pas venu directement. J'ai été tellement occupé avec le magasin et tout. Non, c'est pas ça. C'est la culpabilité qui m'empêchait, qui me retenait de venir ici. Et je pense que Wakaba doit vraiment m'en vouloir. Mais maintenant, j'ai réussi à amener attends. Est-ce qu'il dit ça dans le sens où il a réussi à ce que Futaba se sente mieux, ou est-ce qu'il dit qu'il a eu le courage d'amener Futaba ici? Vous me direz. Je pense que les deux vont ensemble en fait. Il n'aurait jamais pu emmener Futaba ici si Futaba ne s'était pas senti mieux. Donc c'est vrai que je pense que les deux vont ensemble en vrai. Donc j'ai réussi à emmener amener Futaba ici et je peux maintenant la revoir la tête haute. Bien évidemment, j'aurais fait attendre. Enfin, j'aurais bien fait attendre. Mais ça m'a l'air bien de pouvoir enfin lui dire à quel point Futaba s'est amélioré récemment. Oh, et je vais parler de toi également. C'est bien pour toi. Non, merci. Idiot, c'est moi qui devrais te remercier. C'est la première fois que nous sommes tous les quatre réunis ensemble. Sojiro, pourquoi est-ce que tu ricanes? Enfin, c'est quoi ce sourire en coin? C'est à ça que ressemble mon vrai sourire. J'approuve. Ah, oh, j'ai eu quelques nouvelles. Alors, la cour familiale m'a passé un appel l'autre jour. L'oncle de Futaba a décidé de rétracter sa plainte. C'est grâce à toi, n'est-ce pas? Right. Excusez-moi, vu que moi j'ai traduit la phrase dans ma tête, c'est... Je demande s'il viendra un jour et elle deviendra la fiancée de quelqu'un. Oui, ce Jiro, je me le demande aussi. En effet. Je suis sûr qu'elle deviendra une femme incroyable, d'une certaine, quoi qu'il arrive. Après tout, elle est la fille de Wakaba.
Est-ce que tous les pères doivent ressentir cette anxiété? Tu sais, je voulais vraiment juste que tu viennes m'aider à la boutique. Ah, je pensais que ouais, je pourrais juste me servir de toi pour filer un coup de main à la boutique, mais tu m'as montré bien plus. Tu m'as montré que j'avais une famille à protéger. Pas juste Futaba. Mais toi aussi. Putain, ouais, il nous considère vraiment comme un membre de sa famille. Tu imagines pas à quel point. Je ne serai peut-être pas forcément fiable, mais sens-toi libre de venir me voir s'il arrive quoi que ce soit. J'en serai là pour toi, comme une famille. Et ouais, je sais. D'accord. Je t'apprendrai tout ce que je peux t'apprendre. T'es un homme indépendant, un homme qui a pris son envol, tu sais. Madamada ongo kaisu ni wa tarine ga. Ore ni dekin no wa san kurai da. Ce ne sera pas forcément suffisant pour te renvoyer la faveur, mais c'est tout ce que je peux faire. Un lien fort avec Sojiro. T'inquiète pas, Sojiro, mais je ne mets pas à quel point. Nanji, Curry Mastery, la maîtrise du curry, vous permet de faire un curry qui restaure énormément les SP de tous vos alliés. Oh, Yoshi. Fusion. Yoshi. Vous pouvez maintenant fuse Koryu, le plus puissant persona de l'Arcana Hierophant. Nice. Oh, Sojiro, je crois que tu vas être déçu. Oups. Non, parce que si je comprends bien la phrase, c'est... Yes. Ouais, je... Sojiro, je crois que tu vas vouloir ma mort. Et est-ce que tu pourrais éviter de, tu sais, sortir avec Futaba? J'ai un peu du mal à t'imaginer m'appeler père. Enfin, après, peut-être que ce serait pas si mal. Bon, ça va. Et on va dire qu'il est encore un peu... Bon, on va éviter de le pousser trop vite. On va éviter de lui dire tout de suite... Mais il a pas l'air de totalement rejeter l'idée. De quoi vous parlez tous les deux? Rien du tout, Futaba. Rien du tout. J'ai faim. C'est l'heure du curry. Oui. Allez, rentre à la maison. Bon, alors en fait, c'est juste que voilà, c'est le père, il a encore du mal à tout accepter. Donc c'est pour ça, par contre, si tu peux éviter de sortir avec Futaba, je pense pas que j'y survivrais. Bon, même si ce serait pas si mal. En gros, c'est ça, c'est en fait, il aurait du mal à l'assumer, mais dans l'idée, il est pas contre. Donc c'est bon, on a une demi-approbation du père. Une demi-approbation, donc en gros, faut juste attendre qu'on ait une approbation totale. Ah bah, je t'attends là, Alex, ouf. Tu sais de quoi je vais te parler, n'est-ce pas? Alors, on va déposer la carte de visite 18 et mettre en place le plan le lendemain. Tu es prêt, n'est-ce pas? J'étais prêt. Je suppose que j'avais pas besoin de te le demander. On peut avoir confiance en toi. Mais n'oublie pas une chose. Ne regrettons rien.
On est dans une situation de vie ou de mort. Nous n'avons pas l'option d'échouer. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. On ne peut pas échouer.